Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, que vous connaissez tous, Fear the Walking Dead, saison 6. Vous voyez, elle n'est pas déballée. Vous allez dire, oui, mais comment il a pu la chroniquer? Si vous voulez, nous, on l'a reçue version test, comme je vous ai montré les deux autres avant. Mais j'aime bien de l'avoir le produit fini, quand malheureusement... On ne peut pas le recevoir, donc je l'ai commandé par la suite pour avoir la continuité des Fear the Walking Dead. Donc là, dans quoi je peux l'envoyer? Ben, pourquoi pas dans un sous-marin, tiens. Allez, hop, vous comprendrez pourquoi si vous regardez la série. Alors, le petit résumé, hein. Alors que le groupe lutte pour survivre séparément, Virginia engage Emile, un mystérieux chasseur de primes, afin d'éliminer définitivement Morgan Jones. Ce dernier, grièvement blessé par balle et laissé pour mort, rencontre un homme baptisé Isaac qui lui offre son aide et propose de l'emmener dans son abri pour le soigner. Hop! Eh bien, nous, on va aller voir exactement ce qui se passe dans cette saison 6. If any of you are listening, if any of you can hear me, what we were doing out here, it wasn't just about doing right. We fought for the future. We made the hard call. For all of us. If you're listening to me, Liv, all of you, if you can hear me, just live. I got a job for you. Who are you looking for? A man named Morgan Jones. Is Mr. Jones dead or alive? I don't know. You will soon. Alors, j'espère que vous avez aimé la saison 6 de Walking, que vous allez l'aimer. Hein. Moi, pour ma part, la saison 6 de Fear the Walking Dead est supérieure à la saison 10 de The Walking Dead. Bon, ça n'engage que moi. Vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer. Ça... Mais elle est supérieure sur tous les points de vue. Il y a des rebondissements et tout ça. C'est génial. Et sincèrement, j'ai déjà eu l'occasion de voir, au moment où je vous parle, donc j'ai vu la fin de la saison, hein, fatalement, comme vous aussi, sûrement, si vous le suivez. Si vous l'avez, c'est plutôt pour l'acheter. On a vu la fin, on sait ce qu'il arrive. Je ne vais pas quand même spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais j'ai vu les extraits de la saison 7 qui arrive, elle, le 10 octobre, va faire très, très mal. Très, très mal. Et moi, j'attends avec impatience cette saison. Voilà. Ben, pourquoi? Parce que j'aime bien cet univers post-apocalypse. Comme là, par exemple, la saison 11 de Walking Dead remonte un petit peu. Et c'est un petit peu dommage en sachant que c'est la dernière saison de Walking Dead. Ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être, on va le voir peut-être dans la saison 11 de Walking Dead, peut-être un point commun. Il y a un point commun déjà dans la saison 6 de Walking Dead, de Fear the Walking Dead, où on entend parler de Negan avec Dwight, bien entendu, et sa copine qui retrouve. Bon, j'ai pas trop spoilé tout ça. Et j'aurais bien aimé peut-être qu'il y ait qu'on voit peut-être des protagonismes, à part Morgan et Dwight. Voilà. Il y a plein de points communs qui rejoignent The Walking Dead et Fear the Walking Dead, mais la saison 6, franchement, elle bétonne et la finale est superbe. Franchement, je vous le conseille. Alors, l'histoire est de Robert Kirkman, hein, bien entendu, avec donc Alicia Deban Kiry, avec Coleman D'Amigo, Dania Garcia, Ruben Blade, Lenny James, Maggie Grace,
musique de Atticus Ross et de Paul Eisenberg. Durée du film, durée de la série, bien on arrive à 11h38, distribué par Universal Pictures Vidéo France, sorti le 1er septembre et c'est 16 épisodes de. Donc voici, voilà, Fear the Walking Dead saison 6 en Blu-ray à posséder franchement dans votre collection. Elle est superbe. Allez, ciao les amis et à bientôt.